Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser votre appareil Polaroid original One Step 2. Ici, c'est le déclencheur. Le bouton éclaircir-assombrir ajuste l'exposition pour que la photo soit plus claire ou plus sombre. Laissons-le en position neutre. Lorsque vous appuyez sur le bouton retardateur, il s'allume en orange. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin. Ici, vous pouvez allumer l'appareil et l'éteindre. Et ici, vous pouvez recharger votre appareil à l'aide d'un câble micro USB. Les films Polaroid ont besoin de beaucoup de lumière. Cela dit, si vous prenez une photo en plein soleil et que vous ne voulez pas utiliser le flash, vous pouvez appuyer sur le bouton de neutralisation du flash tout en prenant votre photo pour que le flash ne se déclenche pas. Pour insérer votre film 600 ou iType, allumez votre appareil. Ensuite, faites glisser le loquet vers la droite et ouvrez la porte du compartiment film. Tenez la cartouche de film sur les côtés. N'appuyez pas sur le carton au-dessus, sinon vous risqueriez d'abîmer le film et de faire entrer la lumière. C'est grâce à lui que le film est protégé de la lumière. Avant d'insérer la cartouche de film dans votre appareil, assurez-vous que la languette est vers l'avant et le carton de protection du film vers le haut. Le carton de protection du film est éjecté automatiquement. Votre appareil est maintenant prêt à prendre des photos. Prenez votre première photo, concentrez-vous bien. Votre première photo Polaroid est éjectée sous le protecteur de film. Attendez quelques secondes, retirez votre photo et retournez-la pour la protéger de la lumière. Lorsque vous avez pris votre première photo, une LED s'éteint. Les films couleur et noir et blanc n'ont pas le même temps de développement. Consultez l'emballage du film pour savoir en combien de temps votre photo sera complètement développée. C'est bon, vous pouvez y aller. Amusez-vous bien avec votre appareil One Step 2.